Salut follower, le coach.x te salue. Donc j'ai bossé ce matin, je suis rentré chez moi vers les coups de 16h, j'ai pris un repas et là j'ai dû faire une petite course et j'en profite pour rentrer à pied. Alors, je pense que j'en ai pour 5 km. Ça fait du bien de sortir de la voiture, de prendre l'air, de marcher. Bon là je suis sur Paris, il y a beaucoup de pots d'échappement et tout, mais quoi qu'il en soit, le soleil et les arbres, ça fait du bien. J'avais fait un post sur la marche, j'en avais même fait plusieurs, mais il y en avait un, je crois le tout premier que j'avais fait par rapport à la marche, et j'expliquais que la marche, c'était pas du sport. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire par là, c'est que marcher, c'est naturel. C'est le fait de ne pas pouvoir marcher et de ne pas pouvoir s'activer qui n'est pas naturel. Marcher, normalement, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. C'est quelque chose qu'on a toujours fait tous les jours. D'accord ? Donc c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Ça peut pas être considéré comme du sport en fait. Ça devient une sorte de sport à partir du moment où tu es rentré dans un cycle anormal. Et comme pour toi marcher c'est pas naturel, ah bah du coup dès que tu marches tu dis oh je fais du sport. Mais en fait non, tu devrais juste le faire tous les jours, naturellement, sans te soucier est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est pas du sport. Ça fait partie de l'activité physique, c'est pas du sport. Pour moi quand je parle de sport, quand je parle d'entraînement, c'est que c'est des choses spécifiques pour améliorer les performances, notamment travailler spécifiquement la zone abdominale de façon à bien gainer le ventre, de façon à avoir un ventre plat, tonique, développement de la puissance, ça dépend de ce que tu veux développer, la rapidité, la vélocité, tout ça, ok, là c'est des entraînements. Mais marcher, c'est naturel, c'est normal. Arrêtez de penser que marcher, c'est du sport, d'accord? Donc tout le monde devrait marcher, tout le monde devrait s'activer, tout le monde devrait ne pas avoir un surpoids excessif et c'est tout, d'accord ?